Mbote na bino ba Congolais pe ba Congolaise nyonso ba abonné pe ba téléspectateurs nyonso ya RDC Monde Télévision boza ebélé boukola na episode partout sur RDC Monde, votre chaîne d'actualité politique. Très chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas de vous abonner massivement, de liker, de partager, de commenter nos émissions. Hier, dans notre émission, vous avez aussi donné votre point de vue. C'est bien, comme ça c'est bien. Comme ça, et où ça la kenon, bah, Congolais n'y a soba yé, bah, c'est que se passe réellement la 400 cannabis au République démocratique du Congo. Et moi, j'ai toujours dit que non, ici, si RDC Monde, à part la politique, on parle aussi sur l'économie, ainsi que sur les sociales de la population congolaise. Mais, tout comme bête, bon, ma soulonne, pombo cannabis au Kenelibosso. Namoula ki batou, oyo basa ki d'accord pour l'état de siège. Beaucoup plus de Congolais va commenter Michel Louba qui d'accord pour l'état de siège, seulement quelques-uns, même 2% des Baraki qui d'accord, mais au moins 98% sont d'accord. Moi aussi, je viens aussi vous informer que non, ici à Kinshasa encore, il y a plus ou moins 90% de la population qui est d'accord avec l'état de siège, soit l'état d'urgence sécuritaire. Oyo Omoni qui a Kobo était de siège à l'Indo, qu'il faut que Béli Laye, Nengoubé Laki, honorable dans la lobby dans la 4e émission. Alors, merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Si nous sommes encore là, c'est pour les actualités politiques. Hier, vous avez regardé déjà, je le crois, comment ce chef de l'État a décrété lui-même. Il a parlé. Il a parlé, il a haussé les tons, il a parlé par rapport à l'état des sièges. Il a dit ça, il a parlé sur les mesures. Et avant ça, il y avait déjà l'ordonnance portant état des sièges, qu'on décrétait état des sièges, ordonnance sur les Salamaki déjà. Et vous allez comprendre que le chef de l'État est déterminé plus que jamais. La détermination du chef de l'État doit aussi. Et qui peut que Simba Bisso, qui peut que Tiké Bisso, Bisso peut que Congolais, tout ça l'a déterminé pour que. Bato nyonso ba komona ke non parti est ezaya bango ba mona ke non les Congolais sont unis, les Congolais sont soudés, les Congolais sont ensemble, les Congolais tomi ko loba monoko moko pote toté mi la bato nyonso bazuya na mabulu ba diviser biso. Le chef de l'État est déterminé, mais il a aussi besoin de notre appui, l'appui de la population. Lorsque la population n'est pas déterminée, au moins que le chef de l'État sera seul. Nous appelons aussi la population de Beni, de Goma, Boutembo, Ouvira, Ituri, Balamouka, Botelema, pour soutenir vision au chef de l'État, à Sali Kozoa, dans la province de Binoana. Alors, très chers amis téléspectateurs, je n'en reviens pas sur la population, je suis à soutenir le gouverneur ou le Chilabango bientôt là. Qui seront nommés les gouverneurs et vice-gouverneurs? Le chef était clair. Le gouverneur, c'est un militaire. Le vice, ça sera un policier. Mais, et à Biming, je peux dire, mon fichier supérieur. Donc, nous attendons aussi tout le monde. Je crois bien que le chef de l'État, dans la réunion de sécurité, c'est-à-dire que l'autre fois, il a déjà, dans le rôle de une image. Il y a un bateau poste de responsabilité dans le coin il y a parti Est en Boganabiso. Et c'est avec détermination. C'est avec détermination. Et puis parce que l'état de siège là, ils ont momentanément, ils ont pour un temps, il y a une durée pour l'état d'urgence. Donc ce n'est pas jusqu'à la fin de son mandat. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a une durée qui est bien déterminée par rapport à l'état d'urgence, soit état de siège. Vous allez comprendre que non, les gens sont content. Toutefois, avant de continuer, très chers amis téléspectateurs, je vous laisse un peu suivre l'appel, les messages de Madame Pauline Lumumba et après on va aborder les questions d'actualité politique. Auto lenge bino mokuluma lelo auto senga bino pe bo commenter yango bo partager yango bo pe sape ba point de vue na bino parce que ngalinga mimi ba point de vue na bino si les plans positifs que négatifs, nous sommes des Congolais, nous sommes libres et on peut sa opinion parce que c'est ça la beauté de la démocratie. Toutefois, restez branchés, suivez les messages de Madame Pauline Lumumba et après on va continuer. Restez branchés, suivez. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud,
l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bande konanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laxibino kote mbongo. Moyibe yate lokuta pe zate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso le Grand Congo. Merci Malobaya, présidente RDC Monde Pauline Lumumba à Genève. Oui, très chers amis téléspectateurs, tout est libino, actualité SIKA, c'est justement de savoir quelle relation que M. Kabila a avec M. ici, qu'on nous présente ici, Djamil Mukulu. Djamil Mukulu, c'est le grand leader des insaisissables rebelles ougandais, des ADF. Oh, M. Djamil Mukulu ici, c'est un vieil ami de M. Kabila. Mais pourquoi c'est M. ici, c'est un vieil ami de M. Kabila? Naozonga. Mais toutefois, Vana Zonga, tu sais qu'il dit, est arrivé au pouvoir, après 2 ans et demi, je peux dire, il est déjà dans Nzela Kouluka solution pour la partie Est. Mais Kabila qui a fait 18 ans, excusez-moi de comparer, on doit toujours le comparer, c'est normal. C'est normal parce qu'ils ont dirigé le Congo et on doit voir du côté positif et négatif de tout un chacun. Bien que l'autre est encore en plein exercice. Alors, je disais que pourquoi Kabila, pendant 18 ans, n'a pas pu décréter l'état d'urgence des sièges dans Katia Parti Est. Est-ce que vous le savez? C'est parce que aujourd'hui, vous allez voir que et Kabila, et M. Djamil Mukulu, Djamil Mukulu, c'est parmi les insaisissables rebelles des ADF ougandais, l'ami de M. Kabila. C'est M. Kabila qui protégeait M. là, Mukulu, Djamil. C'est là qu'ils connaissent l'histoire, bon, et Sabino, les relations au Djamil Mukulu, Azanango, là, M. Kabila. Il est arrêté plusieurs fois, ces messieurs-là. Dans la Tanzanie, dans le pays, sous voisin ici, avec plus ou moins 10 passeports, et puis à zapper un passeport congolais. Comment est-ce que ce monsieur-là, ou alors c'est mes terreurs dans la partie Est, il a un passeport congolais? Comment est-ce qu'un monsieur qui est rebelle ougandais, mais il a un passeport congolais? Est-ce qu'on peut comprendre d'abord, Bilo Kwana Nyoso, tu es évité. Comment est-ce que ça fait-il? Comment est-ce que Kosalema, qui n'ont un rebelle ougandais qui détient un passeport congolais, déjà à l'époque de M. Kabila. Maintenant, vous allez voir que non, c'est M. Djamil Mukulu, il est mal à l'aise pour le moment. C'est pourquoi vous allez voir que non, il apparaît maintenant dans les réseaux. Et que non, Ba rebelle naïe, ba soundolié. Il est maintenant resté seul. Pourquoi il est resté seul? Pourquoi? Parce que les décisions, cette décision, il y a état d'urgence, soit il y a été des sièges. Je vous dis, ils allient façon pour Nabiso d'attaquer les Rwandais, d'attaquer les Burundi, d'attaquer l'Ouganda. Donc, pour vous dire que non, bah, village auto y est occupé par les Congolais là-bas, Robimaman Moukie. Pour laisser à nos militaires affronter les rebelles. Les rebelles là sont sur la carte frontière, il y a un pays voisin. Alors, on va juste demander à nos populations de reculer un peu, de venir, de faire un peu un pas en avant pour laisser maintenant la place aux militaires, aux phares d'essayer de combattre l'ennemi. Et parmi les ennemis majeurs, parmi les gens majeurs à abattre, c'est ces messieurs-là. Djamil Mukulu.
Jamil Mukulu, monsieur Ouyou, un sujet ougandais très fort côté rébellion dans la partie Est. Très fort, je vous dis. Et si aujourd'hui, tout ma casse sur sabango, la paix est au dans la partie Est. Ce qui est l'autre, une décision, toi déterminer que non, tu lutter contre l'insécurité, ces messieurs-ci, on a besoin de l'arrestation de ces messieurs. Peut-être que ces messieurs-ci, lorsqu'il sera arrêté, tu auras la vérité, il y a l'autorité politique, paix administrative congolais, où l'association est rebelle. Le chef de l'État dit une chose, qu'il va te bêler, il comprend la vérité. Plus question d'immunité pendant les temps de siège. Je rentre encore en arrière. L'autre fois, quand le président, l'actuel président de l'Assemblée nationale, Christopher Mboso, il avait interpellé les députés. Vous là, les députés, au besoin de Katia, il y a un groupe armé Bobima. Aujourd'hui, maintenant, le chef de l'État vient encore d'ajouter que non, il n'y aura pas d'immunité pendant les temps de siège. Si et seulement si on attrape un député, un sénateur, où il y a parti Kouna, mais qui collabore avec les rebelles, on va l'arrêter. Baro Senga coûte immunité, Baro Senga coûte l'envoyer immunité. Ce n'était pas pour rien que Mboso avait dit ça. Mboso a même pointé du doigt, na batonani soit député, on a nié son. Ou basé en quatre groupes armés, basé en quatre rébellions. Il avait pointé du doigt. Et aujourd'hui, le chef de l'État prend une décision, pas question d'immunité pendant l'état de siège. Donc on vous attrape, vous députés, vous ministres, vous qui que ce soit, et que vous êtes protégés par des immunités, on vous attrape na kati yaba coopération na ba rebelle, je vous dis, on vous arrête. Parce que il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas de privilège. Vous allez un peu comprendre comment est-ce que les choses s'accélèrent à tel point, bah au bas la mitali bango. Fungo la miso, au moins on m'a amené ça au coma. Fungo la miso. Au moins, m'a ramené ça au kende. Mais tellement que nous, les Congolais, on a Saint Thomas, oui, tout ça toujours Saint Thomas, mais tu comme une fois que Saint Thomas a pu aussi là. Donc, très cher ami téléspectateur, ma grande décision ici, les amis, Babilo a bien ici, Bimi, à tel point que M. Wana, on a oublié la combo, jamais le Mukulu, on l'a arrêté, tout tué, peut-être. La partie Est. C'est pourquoi le chef de l'État est bien déterminé. Très cher ami téléspectateur. Parlons aussi, il y a réunion à Liboso, et seulement qui bon mot, le mot lobby. Réunion à Liboso, il y a union sacrée, je peux dire ça. Réunion, il y a union sacrée. Je n'ai pas dit réunion au gouvernement. Je parle d'une réunion de l'union sacrée. Je crois bien que c'est une bonne et belle initiative de rassembler encore une fois de plus les grands leaders, les représentants des partis politiques, les représentants des regroupements politiques, membres de l'Union sacrée, dans quatre réunions. Toutefois, l'Union sacrée, bien qu'elle ait une plateforme politique, mais elle a une structure où il y a une bonne gouvernance. Tellement qu'elle a une structure, je peux dire sa structure politique, et non plateforme ni parti politique, elle a une structure politique. On doit quand même essayer aussi de voir, d'évaluer, de distinguer, yakotala, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Dans cette réunion-là, il y avait une présence remarquable de Jean-Pierre Bemba Gombo, lui-même en personne. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre pour aller le représenter. On a vu encore les représentants personnels du chef de l'État qui étaient là, les monotimes, les premiers ministres, le comte de Bahati, du coup, ben, était là. Et lorsque ces leaders-là se rencontrent pour l'intérêt majeur de la population, pour l'intérêt majeur de la nation, moi, je fais qu'applaudir. Parce que vous avez compris une chose. Ici, au Congo, on n'a pas de politiciens. Je prends l'exemple de ces messieurs-là, les députés nationaux là, Molière. Avant la sortie du gouvernement à l'écran de TV, il a prédit que l'Union sacrée qu'au Panzana après sortir du gouvernement. Mais aujourd'hui, l'Union sacrée a toujours, est toujours là. L'Union sacrée a toujours ses racines. L'Union sacrée existe toujours. Mais pourquoi nous-mêmes, les Congolais, lorsqu'on veut l'unité, on veut aussi la séparation? Mais qu'est-ce qu'on veut? Mais qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est comme si Biloko Tolingaka Toye Baraté, comme je dis hier. Mais aujourd'hui, je suis content de voir ces leaders-là.
bah coûte ni sous pour la relever le mamamboka pour la évaluer pour la route là qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas par rapport toujours à vision à union sacrée ils ont babilo comme au biso ba congolais il faut toi applaudir moi personnellement j'ai applaudi je ne sais pas comment est-ce que vous voulez trouver cette rencontre là rencontre moko auto moni ba leader mais to lingi qui est la ba rencontre moko ya ko sekate ya ko sakanate ya ko liate hein ya ko beta ko pa mbongo te mais rencontre moko ya ba stratégie pour faire en sorte que non économie moko mata social ya congolais changer to mona que non politique mbongo na biso mati encore au niveau et puis sécurité et kota na katia parti est les ko sala biso bien très cher ami de l'expectateur. Alors, je tiens aussi à vous signaler, très cher ami spectateur, que ici nous parlons aussi sur l'économie, les réalisations, les avancées. Hein? Pour le bilan, on m'y a. Parce que les lots, bah te belé, bah le bah réalisation mon compte en bocaté. Nous ne sommes pas des défenseurs. Bah tout bah y a qu'à défendre Fati, mais l'histoire a dit que le bah réalité autour comme on l'a quatre en boca. Nous nous parlons que de la réalité. Nous nous parlons que s'il est fait. Nous parlons s'il est réalité et s'il est fait. Nous parlons par rapport à ce que nous voyons. Nous ne parlons pas par rapport à ce que nous pensons. Surtout que nous avons pensé, pour la fatigue, pour la faillite, nous avons fait. Nous avons fait la réalisation. Nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Lélo, je vous signale que non, la personne qui est chargée des impôts, on a 4 secondes, c'est ça. À tout ça là, exploit. À tout ça là, exploit. On peut toutefois applaudir. Parce que l'exploit n'est seulement malade. La personne, c'est M. Lumbu Barouani. Il a doublé les impôts de Kinshasa, des entreprises, de 540 milliards à 1000 milliards de francs congolais. Ils ont avancé. Donc, vous allez vous comprendre que non, aujourd'hui, avec tout ce que l'IGF avait, il y a Koukata, exonération, il y a Pamba Pamba, l'État commence maintenant à produire. Bah, recette, il y a l'État, comme il faut nana. Doublé mensuellement. Je peux dire, il y a une recette mensuelle, dont les entreprises contribuent, dont les entreprises payent les impôts à la DGI. Ici, à Kinshasa seulement, on a doublé. Les 540 milliards à 1000 milliards de francs congolais. Est-ce que vous avez vu que vous avez dit 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 mais les choses pareilles, on doit d'abord regarder, on doit d'abord voir l'intérêt suprême de la nation. Avant de voir l'individu Tshisekedi, avant de voir l'individu Fayulu, avant de voir l'individu, bembe tout consort, total, on a l'intérêt à Mboka. Moi, je suis satisfait par rapport à l'évolution, par rapport à l'exploit au monsieur Asali. Mais tu sais que non, au monsieur Asali, et ça, les mappés dans la province Moussousou, pas seulement Kinshasa. Il y a des provinces qui sont tellement minées, que Kinshasa. Il y a des provinces dans l'entreprise, et bien les collègues, même Kinshasa. À tel point, tu sais aussi que non, l'exploit au y a recette et la province Nyonso. Il y a un peu de pression sur la DGI et Mata pour le Congo et Kenepe Liboso. Affaire, pour te clôturer, affaire dans le ministère, il y a ITPR, ministère de l'infrastructure, dirigé jadis par M. Willingopos, qui est entre guillemets cousin de M. Minaku. M. Willingopos a interdit Abima Libande en Mbokate. Pas seulement Willingopos. Avec son fils Chris Ngopos. Très cher ami, donc, moni biloko c'est la qui Bakonga. Bakonga père, Bakonga fils, arrêté. Aujourd'hui encore, Willingopos père, Willingopos fils, ils sont interdits de quitter les sols congolais. Bakobi ma belle en bon a bisouté. Et à part, et il y a aussi un sujet chinois. Bon, moi, la question, comment est-ce que les ministres, Bakoko, Saban, Abana, Babetis, Nakimouibi, parce que lelo awa pona nini baboyi bamba bima parce que mbongo ya paye ya rétrocession au cabinet paye ya rétrocession au cabinet et monaniti yango moni bato wana misatu na tangeli bino na ba détournement kili kili o esalema ki parce que wilingo pasa ki ministre de l'infrastructure
Total à l'époque, na banzela combien tongami. Banzela combien banda qui me silité. Mais Roger combien banda qui me silité. Bambon wane kenda wapi. O kende kuna, nga sala ba reportage année passée. Année passée, sala ba reportage. Na ben Roger bon qui na ba Congo ba ou déclarer que to ko lema la mouté mbongo ngeza mouté. Mais mbongo kenda wapi tant que les autres travaillent. Aujourd'hui, bravo, je dis bravo à l'État congolais. Non, M. Willing repose pas de sortir, toi avec ton fils, avec un Chinois. Parce que le Chinois, là, il va marcher, va construction, il érosion, il va dire là, qu'il est tout comme ça. Alors, tout le monde est à mon sal à mon côté. Bazoua qui marche, érosion, il va dire à mon gafou, la couna côté, il à Kinshasa. Pourquoi tu Congo? Érosion, il y a beaucoup de route, il y a matadi. Chance l'intervention. Il y a gouverneur, je peux dire ça. Mais tout le monde qui est là, il est fandi. Mais sinon, il est catastrophique. Tu as payé à Kinshasa, il n'y a pas de carbone, il y a érosion dans le monde. Il y a degré, il y a des politiciens congolais. Il y a la maturité, il y a la bolingo, il y a la vie mbokate. Merci. Tout ce qui a eu pour le monde, n'hésitez pas de commenter nos émissions. N'hésitez pas de vous abonner, de partager et de liker nos émissions. Merci pour votre fidélité, merci pour votre disponibilité. Tokutani Mbalasima, bye, à la prochaine.